Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve dans Assassin's Creed 4 Black Flag. Alors, on est. Donc, c'est le troisième épisode. On est. J'ai volé la clé au capitaine machin truc. Et maintenant, je dois m'introduire apparemment dans le bâtiment qui est juste là. Faufilez-vous jusqu'à l'entrepôt du fort. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous expliquer un petit truc. Avec Black Flag, apparemment, il y a quelques problèmes de sauvegarde et ça vient de m'arriver. Alors c'est pas grave parce que j'ai joué une heure, mais en gros, là, je viens de me retaper toutes les missions que j'ai dû faire au deuxième épisode. Enfin, toutes les missions. Hein, j'avais quasiment rien fait, mais en gros, il y a quand même un petit souci lié aux sauvegardes. Si vous regardez sur la toile, vous verrez qu'ils en parlent. Et c'est un peu pénible. En gros, le symptôme, c'est simple, c'est vous jouez. Et puis ça sauvegarde, vous jouez normalement. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que... ramasser armes. Oh, nice. Yeah. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Attendez. Et donc vous vous rendez compte que bah ça pose problème. Enfin, vous recommencez à 1% de progression. Oh, nice. Brap. Oh oh, crap. No! You die! Ça sent mauvais cette affaire. Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, j'ai commencé l'épisode en voulant trancher les mecs. Ça ne va pas. Ok, est-ce que je peux escalader là-dessus? Non, je peux pas. Ok, je vais essayer de me débarrasser de ces types. Et puis bien sûr continuer ma mission. Je vais aller sur le toit là-haut. Alors, apparemment, ça vous a plutôt plu, hein, ces épisodes Black Flag. Le seul truc, c'est que, comme je vous disais, je suis absolument pas familier de la série Assassin's Creed. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Ouh, un chat. Regardez, il est mignon. Oh, crap. Je regarde les chats et pendant ce temps-là, je me fais courser par des types. Ah, je peux pas. Non. Lâche ton arme, mec. Tu peux rien faire. Ah, bon, je peux essayer de les tuer éventuellement. Ils me tirent dessus. Faut que je me rende invisible, en fait. Et alors ça, c'est vraiment un truc que je suis vraiment encore pas familier avec le système. Et les mecs, ils me courent après vénère, quoi. Alors, il y a aussi un système de bombes qui peut m'aider éventuellement. Je vais essayer de trouver. Je mets dans ce groupe là. Voilà. Et je vais attendre juste un tout petit peu pour voir. Nice. Ok, j'ai aussi découvert le tab. je découvre des trucs. Tab, ça permet tout simplement d'accéder à la map avec des trucs. Donc on a quoi? On peut la centrer, il y a la légende, panoramique. Là on peut voir ce que nous rapportent différentes missions, différentes quêtes. Bon voilà, moi je découvre encore le truc, je comprends pas toujours comment ça marche. En tout cas là, je dois aller là, c'est ma destination et c'est ce qu'on va faire pour cet épisode. En espérant que ça se passe bien, bien entendu. Alors, c'est parti. Je vais aller par là, il y a quelqu'un qui me disait dans les commentaires qu'en gros... Qu'est-ce qu'il y a là? Oups, je me retrouve dans le buisson. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, je comprends. Ah, c'est juste que j'ai coché. C'est ma destination, c'est ça? Si je fais ça, ma destination, c'est au fond. Ouais, je sais pas, écoutez. Hésitez vraiment pas, si vous entendez des trucs qui vous semblent bizarres. Là, par exemple, je sais pas pourquoi il y a écrit champ, la partition s'est envolée, réessayez plus tard. Je pense que c'est une quête qui doit apparaître quelque part en bas, mais... voilà quoi, moi je suis pas du tout familier de cette série. Par exemple là-bas il y a un coffre. Bon, écoutez, je vais d'abord, il y a plein de trucs à faire, mais je sais pas exactement dans quel ordre il faut les faire. Je sais pas si grimper sur les toits c'est toujours la meilleure solution, ou est-ce que parfois c'est mieux juste de marcher tranquillement dans... Voilà, comme quelqu'un de normal tout simplement. Ok, alors pour monter là-haut, je pense que je peux utiliser ce truc qui est sur le côté. Là, c'est une zone interdite. Je vais devoir peut-être... Ah, attendez. Oh, no. Oh, il y a plein de gars. Je vais attendre une petite seconde.
Ah, eux, ils ont... C'est bizarre, ça, quand ils... Ils disparaissent comme ça, non? Est-ce que c'est... Je crois que c'est fait exprès, mais j'arrive pas à comprendre... Pourquoi ça fait ça. Donc là, je peux me mettre en invisible là-dedans. Et... Assommer un type. Ça, c'est bien. Et du coup, maintenant, je pense pouvoir passer par là. Allez, c'est parti. Il y a personne autour. Allez, j'y vais. Non! Allez, c'est parti. Je suis comme un ouf. Voilà. Voilà. Ok, ok, ok. Bien, bien. Non, non, non. Reste là. Il y a un dude juste ici. Je crois que je vais devoir l'exterminer. Est-ce que je peux l'exterminer? Exterminer. Alors attendez. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça sert peut-être à rien que je lui fasse la peau. Peut-être y a plus simple, hein. Ah merde. No! Ah fuck, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais monter là-haut, mais c'est le parcours, c'est difficile. Je vais voir si je peux peut-être rattraper le coup en passant par ici. Voilà. Ok, ok, non, non, reste là. Faufilez-vous. Alors là-bas, ok. Je peux escalader là-haut, à mon avis. Voilà. Ouais, ouais, ça le fait. Ouh, ce type. Ok. Vas-y, mec. T'es où? Ah, il y a deux types. Ok, je vais voir si je peux pas, genre, le prendre et le balancer à la flotte. Un truc comme ça, ça serait fun. Hein? No. Oh, crap. Ok, ok. Je peux prendre son arme. Éventuellement. Alors, il y a des mecs là-haut, il y a des mecs partout. Je... Ça me paraît bon, là, non? Je peux aller me cacher quelque part, peut-être, par là. Non, il revient. Oh, je vais peut-être buter ce mec, du coup. Il y a beaucoup de gens sur la carte, c'est un peu flippant. Allez, viens, viens, mon petit loulou. Je vais te faire tomber à l'eau. Hop. Désolé. J'ai rien contre toi, hein, vraiment. C'est pas rien de personnel. C'est juste que... Ah. Ok. No. Pourquoi t'es accroché? Il peut plus. Ah si, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Oh, fuck. Bon. Je sais pas à quel point je suis... Ouais, voilà, là, je suis pas grillé. Ah ouais, je peux siffler, peut-être. Viens, mon petit loulou. C'est bon, c'est bon. Je me le fais. 1, 2, 3. Blap. Comme un ouf. Ramasser corps. Fouiller. Je récupère des trucs. Est-ce qu'on peut pas prendre son... Attendez. Je l'assassine. Voilà. Je ramasse son corps. Je vais le balancer à la flotte parce que... Ne. Merde. Ça me fait marrer. Mais en fait, ça me fait vachement plaisir quand même de jouer à ce jeu parce que c'est vraiment nouveau pour moi et voilà, c'est bon. Putain, comment je règle des situations moi? Ramasser armes. Je me ferais bien les deux gus là-bas là. Je sais pas si c'est la bonne façon de procéder hein. Ah, il y a un coffre. Ah, il y a des armes ou je ne sais quoi. Ok. Ok. Je peux pas aller là. Peut-être aller derrière là. Oh, je vais où? Je vais aller buter les deux types là, je pense. Ils m'entendent pas. Je peux peut-être me faufiler juste derrière ou bien passer par là. Écoutez, je crois que je vais. Oh, il y a un mec là-haut, il me voit pas et tout, ça. Ouf. Attention, ouais, j'y vais. C'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. Ok.
God damn it. Ah, j'aurais pas dû faire ça. No, no, no. Please, leave me alone. Bon, donc a priori, ils sont pas très joyeux que je sois là. D'après ce que j'ai compris. Et c'est pas en me planquant dans un placard que ça va, changer. C'est pas grave. Ok, ok. C'est pas grave. C'est bon, j'y suis. Je suis là où je voulais être. Ouais, non, je vais crever. Donc il faut fuir le combat. Donc, fuir le combat. Oh, je me suis pris le rebord. Ça doit faire mal. Mais j'ai fui le combat, donc c'est bon. Tout va bien. Bon, va falloir que j'apprenne vraiment à être sneaky. À être sneaky. Bon, objectif, engager des danseuses. Ne prenez pas part au combat. Bah écoutez, je vais faire ça. Commencez par engager des danseuses. Et on va essayer de faire ça bien. Allez, venez, ladies. Ladies. Ok. Donc, les filles, on va aller. Venez avec moi. Voilà. Je me demande si je devrais pas m'occuper d'eux et voler ce qu'il y a dans le coffre. Lol. Genre les filles, le pouvoir de la nana quoi. Yes. Ouais, elles sont encore avec moi. Ok, je ressors. Donc maintenant je vais essayer de distraire. Oula. No. C'est bon, y a personne. Ah, je voulais faire diversion, mais... Ah ouais, ça, c'est un des trucs que j'ai vu aussi, c'est les mecs qui courent tellement vite. Genre, même mon personnage, il court pas aussi vite, quoi. Donc, si je fais ça, les mecs, ils peuvent monter? Je sais pas. Vous inquiétez pas, je vais arriver à faire cette mission, éventuellement. C'est juste que... C'est un peu compliqué, quoi, par rapport à... Die! Ok. Ouais, il y a un groupe. Ah oui. Et là, il y a... Ok. Alors, je vais aller voir là-bas. Je pense que ça, c'est un endroit pour acheter des armes. Ou je ne sais pas trop quoi. Ils sont où? Ah, ils sont là, putain. Ah, c'est tendu, quand même. Je pense que le mieux là, ça serait de me cacher dans un tas de foin, non? Ou bien buter ce type. Oh putain! Non, ils sont pleins. Ils sont tout pleins! Ouais, c'est ce genre de truc. Pour l'instant, là, je galère encore un peu par rapport à tous ces trucs. Mais je pense que. Tout va bien. C'est bon. Donc, c'est quoi ici par exemple? Là, c'est vert, bleu sur la carte, qu'est-ce que c'est? Ces mecs-là, est-ce que je peux faire quelque chose avec eux? Ils sont un peu chelous. Il y a des types juste là. Donc là, il y a un coffre. Ok. C'est bon, je descends. Bon, voilà, ok, bon. Je vais juste voir un dernier truc, c'est ce qu'il y a là-haut. J'ai pas encore compris à quoi ça servait, donc je vais aller voir. Et puis ensuite, après, je réessaye de monter. De monter, tout simplement. Il y a un aigle et je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça me perturbe. Alors là, j'ai l'impression que je peux acheter une arme, ouais. On va juste voir hein, ce qu'on peut avoir. Parce que je pense... Donc c'est des épées, des munitions... Bombe fumigène. Combien ça coûte? 150. Attendez, ça fait trop. Voilà, j'ai racheté des fumis. Je pense qu'il faut que j'en utilise plus. Œuvre d'art. Ok, on peut les acheter. À quoi ça sert? Après, on peut les revendre. On peut les échanger contre des choses. Qu'est-ce que ça c'est? Figurine à nez de chiroptère, n'est-ce pas?
C'est intéressant comme nom, ça. Ok, bon, alors. Un plaisir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. C'est marrant, c'est pas sous-titré. Ouh, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est pas l'exécution. Je vais juste aller voir ce qui se passe ici. Là. Interagir. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah. Ok. Ah ouais, mais je peux pas commencer à accepter 25 contrats à droite à gauche et pas faire la mission. Ok, je me remets dans mon truc et je vais essayer de la faire en mode fumigène plus nana et discretos. Ah, donc là j'étais en train de me diriger vers mon objectif. Et en fait, il y a des endroits comme ça où vous arrivez et si vous tombez au bon moment, bah en fait, enfin pas forcément au bon moment, mais il y a des coffres comme ça qui traînent quoi. Donc ça c'est plutôt chouette. Et je suis pas encore bien loin. Oh salut toi. Ah oui ça c'est cool, je vais vous montrer. je vais vous montrer, enfin vous connaissez mais... Hop, je vous ai déjà montré. En gros, je fais... Non, non c'est pas ça. Je fais... Intéressant. Ok. Donc là il y a un garde d'en bas. Mais c'est pas grave. Voilà. Ce type là. Ouch. Donc attendez, là il y a de la musique, c'est quoi? Ça a l'air d'être au-dessus. Qu'est-ce que... Bon, 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 on a dit qu'on se concentre. Alors, sur cette mission. Donc, je vais aller recruter les nanas qui sont là-bas. Et je vais essayer tout simplement d'entrer par l'entrée principale, peut-être. Ça me paraît un peu tendu quand même. Hein. Il y a l'air d'avoir du monde, parce que regardez. Si, imaginons, j'arrive à rentrer par l'entrée principale. Après, il y a deux types là. Ouais, c'est un peu tendu. Peut-être envisager de passer par l'autre côté. C'est une possibilité. Je voulais juste voir aussi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est est-ce qu'on peut... Ouais, non. On peut pas utiliser ces canons. Ok. Bon, alors. Par là, j'ai essayé dans la fin du dernier épisode. Et ça n'a pas été un franc succès. Mais je pense que ça reste une des possibilités, quoi. Donc, on va commencer par ça. On va reprendre ça. Voilà. Donc là... Nage discrète. C'est une zone interdite. Il y a un type qui est juste là. Ok. Alors l'entrepôt, il est juste au-dessus. Donc il y a peut-être moyen de... d'escalader, rentrer peut-être par cette porte. Ok. Quoi? À la vigie là? Merde, enfoiré. Il m'a vu? Ah, putain. Bon, je pense qu'il y a, une certaine mécanique de jeu que j'ai pas encore bien assimilée parce que... Bon, là, je sais qu'en gros... Si je veux sortir de cette situation, il va falloir, je crois, que je sorte de la zone, quoi. Donc là, ici, a priori, c'est bon, mais je suis pas sûr. Donc là, ici, je vais pas pouvoir monter. Peut-être moyen de faire un truc en passant par là. Je pointe du doigt sur mon écran, ça, c'est malin. Donc je vais faire ça. Je vais faire un nage discrète. Je vais re-rentrer dans la zone interdite, là. Et faire en sorte de pas me faire choper par le gars là-haut. Ok. Là, je vais pouvoir monter parce qu'il y a des rambards, enfin des morceaux de bois en travers, donc ça devrait être bon. Allez, allez, on y va.
Ok, ça c'est bon. Donc là, je suis à cet endroit là. Ah bah ouais, je sais où je suis en fait. Je suis exactement où j'étais. Non, putain, mais quel boulet. Précédemment. Désolé, j'y retourne. Bah, j'ai attrapé un fragment, hein. Ça c'est vachement intéressant. Je sais pas à quoi ça sert encore. Donc je retourne là. Allez, on y va là cette fois. C'est la bonne. Donc ça va être par là. Stop, voilà. Et là, le mec. Ah, crap. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah bon, c'est pas grave, écoutez. Je vais essayer d'accéder à ça. C'est pas possible. Ah, fais chier. Bah écoutez. Est-ce que ça peut aller ça? Ah. Ok. Ah, je les ai pas tués. Ah, attendez, je vais juste attendre un tout petit instant. Que tout le monde se calme un peu. Ça me paraît quand même abusé. Est-ce qu'ils vont... Ok, lui. Eux, est-ce qu'ils vont se réveiller? A priori, ils vont se réveiller, donc je devrais peut-être sortir maintenant. Nice! Yeah, baby! Je suis tellement fort! Non, je suis pas fort. donc ça, c'est bon. Et je vais faire quoi? Je vais récupérer ces cajots de sucre? Non, bah non, j'en veux pas de ces cajots de sucre. Attention, retrouver Steed. Ok. On va se partir. Hein. C'est bon. Non, vas-y, fous-moi la paix. Tu t'en fous de moi. Je suis pas passé du tout par là, quoi. C'est bon. Alors, du coup, Steed, il va pas être content. Il va me dire, mec, mon sucre. Qu'est-ce que t'en fais de mon sucre? Nice. Jump. Yes. J'adore. Regardez. Bam. Hop. Mega jump. Yes. Et attendez, je peux conduire ça ou pas? Hé, hey, mec. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'interaction avec tout le monde. Bref. Alors, je vais retourner là. Vestid, il est là. C'est bon, je l'ai vu là. Allez, arrête. Ok, bon. Il est là. C'est good. Et ouais, et par rapport au problème de sauvegarde. Désolé pour ton sucre. Bon, je vais les laisser parler. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps? Quelques semaines, probablement. Attendez, je pense à juste un tout petit truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'allais dire vous avez été nombreux, mais non, il y a une personne qui m'a dit s'il te plaît, ce serait bien de mettre. Les sous-titres. Alors, on va mettre les sous-titres. Comment on fait ça? Sous-titres, oui. Oups. Comme ça, au moins, bah, vous pourrez un peu mieux suivre. Je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Le Trésing ah, voilà. L'ennui. Va à Nassau et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon dieu, quelle aventure ce serait! Mais non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir d'une canne. Eh oui. Eh, Bonnet. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. ouais, on te croit, clairement. Donc, mémoire 2 et mon sucre. Engager des danseuses, ça c'est bon, ne prenez pas part au combat, visiblement. C'est pas bon. Donc, synchro mémoire 90, je sais pas ce que ça veut dire. Évaluer cette mémoire, je vais faire continuer. Donc, ouais, ce que j'allais dire juste avant que ça commence, c'est si
Là, je vais enchaîner avec un deuxième épisode que je diffuserai juste après, mais en gros, si la prochaine fois que je relance le jeu, je me retrouve encore à 1% de sauvegarde et que je dois à chaque fois perdre le temps de refaire les missions, bah malheureusement, malgré le fait que je commence à apprendre un peu à jouer à ce jeu et ça franchement, ça m'intéresse vachement, je vais pas pouvoir continuer parce que s'il y a ce bug de sauvegarde, c'est un vrai problème, quoi. Donc d'ailleurs, si vous avez des solutions là-dessus, moi, ce que j'ai coché la case « Lancer en tant qu'administrateur le fichier du jeu, le .exe du jeu, vu que je joue sur PC. Hein. » Donc ça peut aider éventuellement, pendant que je vole ce type. Désolé, Loulou. Et donc il y a ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai désactivé la synchronisation dans le cloud sur Uplay, là, leur plateforme Ubisoft toute naze. Et également, je l'ai passé en mode hors ligne. Donc, a priori, ils devraient sauvegarder sur l'ordinateur et pas les perdre. Mais voilà, ça veut rien dire, quoi. Enfin, bon, comme d'habitude, si... Ouh, il y a un fragment. Allez, je ramasse ce fragment. Et puis, je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Ding, ding, ding. Ladies! Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si vous aimez bien. Et puis, à me dire aussi si ça vous plaît, cette nouvelle série, si vous voulez que je continue ou pas, et surtout si vous avez des conseils à me donner, mais vraiment n'hésitez pas, quoi. N'importe quoi, des trucs dont même, enfin, vous imaginez que je le sais, mais peut-être que je le sais pas, comment fonctionne ce jeu, je découvre, donc n'hésitez vraiment pas à me donner des conseils, ça me fera aussi bien plaisir et ça m'aidera. Allez, à plus.